Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Bande de Losers. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va très 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 bien les amis. Donc aujourd'hui on va parler un peu de GTA 6, hein. Suite à la première vidéo d'annonce que je vous ai faite sur GTA 6, j'ai pu récolter quelques petites informations supplémentaires, voilà. Donc du coup effectivement, selon mes informations, selon mes sources, effectivement, il y a bien eu une, il y aura bien une sortie entre 2023 et 2024 de GTA 6, voilà. Donc, ça, a priori, ça se passerait à Liberty City, voilà. Pour ceux qui ont connu GTA 3, ça serait, on va dire, une map revisitée, voilà. Et ça a bien été confirmé par Tacto. Voilà, qui est l'éditeur de GTA en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est vrai que tous les grands fans de GTA, hein, les gros fans, bah, on sait plus où donner de la tête parce qu'il y a tellement d'informations qui fusent, que ce soit sur YouTube, TikTok, sur Snap, comme je vous ai déjà parlé la première fois. Donc je vous avais déjà dit d'en prendre. De prendre toutes ces informations avec des pincettes, hein. Ne pas tout croire non plus à la carte, hein. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de fausses rumeurs, hein. Voilà. Alors d'autres diraient 2023-2024, d'autres diraient 2024-2025 selon des communiqués. Donc on n'a pas réellement de confirmation ou non par Rockstar actuellement. Donc du coup, on ne sait pas sur quel pied danser pour le moment concernant sa date de sortie. Hein. Bien entendu, on sera tenu au courant. A priori aussi, il y aurait plus de 500 heures de jeu pour le mode histoire sur GTA 6. Voilà. Et on pourrait explorer plusieurs continents. Donc Vice City, San Andreas, a priori, et Liberty City, et même certaines villes d'Europe. Alors, ça c'est toutes des informations que j'ai pu récolter à droite à gauche, hein, sur des principalement sur rockstarmag.fr. Hein. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler, vous êtes déjà tous, je pense, abonnés à ce. Bah, vous avez déjà entendu parler. Hein. Donc voilà. Donc effectivement, c'est le jeu le plus attendu de tous les jeux vidéo qu'il a pu avoir sur le marché. Hein. Pour rappel, hein, GTA V est quand même sorti en 2013 sur PlayStation 3 à la base. Hein. Il a quand même fait trois consoles, hein, PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation 5. Hein. Donc du coup, c'est énorme, hein, pour le développement d'un jeu. Hein. Donc après le jeu, a priori, le jeu va être énormissime. Hein. Donc, effectivement, il y a bien eu une confirmation par Rockstar. Hein. Il y aurait bien eu une sortie potentielle pour 2023, mais rien n'est encore confirmé par Rockstar. Hein. C'est pour ça que faites très attention. Ça va prendre aussi avec des pincettes. Hein. Donc forcément, ce hacker aurait fait des choses assez sales, on va dire. Hein. Parce que du coup, l'homme à l'origine de toutes ces fuites, hein, c'était un jeune hacker de 16 ans. Voilà, pour rappel. Donc il a fait fuiter beaucoup de choses sur GTA. Donc du coup, c'est un. Pour Rockstar, c'est l'homme à abattre, hein, parce que du coup, vous savez très bien que comme ils sont un peu Rockstar, comme sont un peu les éditeurs en général, là, c'est quand même un très gros jeu qui est attendu. Et là, il y a eu de très grosses fuites qui a fuité, hein, tout simplement. Donc, du coup, c'est assez embêtant pour le marketing de Rockstar et c'est tout bénéfique pour nous. Après, voilà, faut juste faire la part des choses, savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, comme je vous avais dit dans la première vidéo, moi personnellement, au début, j'y croyais pas. Effectivement, il s'avère que c'est vrai. Hein. Il aurait même menacé Rockstar.
Alors, je ne sais pas pour obtenir quoi, j'ai pas pu avoir cette information, mais a priori, il y aurait même des versions jouables. Il y aurait même des versions jouables du jeu en fait, hein, en version bêta. Donc, des sortes de démos, quoi, hein, gros, concrètement. Donc c'est assez ouf. Et en fait, il les a menacés de les partager, en fait, sur le net contre je ne sais pas quoi. Alors, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me la donner, hein, parce que ça peut m'intéresser aussi. Hein. Ça, pourquoi du grand? Parce que malheureusement, moi, je ne sais pas tout. Hein. Je vais être franc avec vous, moi, je suis le dernier trop courant. J'en avais entendu parler et effectivement j'avais vu un collègue qui a mis des snaps et voilà et donc sur le sujet et je suis parti un peu à la pêche d'information hein, chez 2-3 collègues et effectivement voilà. Après tout ce qu'on peut trouver sur Twitter, etc. J'ai eu beaucoup d'infos sur Twitter aussi, hein, mais voilà, tout n'est pas confirmé, tout n'est pas vrai, donc faites bien attention à tout ça, hein. Faites-vous pas non plus des films. Donc tous les gameplays que vous pouvez voir sur les réseaux, c'est souvent des GTA 5 avec des mods. Hein. Parce que vous doutez bien que sur GTA 6, même sur GTA 6, ça fait peut-être 10 ans qu'il est en développement. Hein, il n'y aura jamais de marque de voiture franc réelle. Hein, donc voilà. Hein. Bon, sur ce. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet, c'est ça, hein, qu'on fasse 36 vidéos sur le même sujet. Hein. Si effectivement il y a quelque chose de ouf qui arrive prochainement, et ben on verra ça. Mais pour le moment, aucun intérêt de continuer sur le sujet. Hein. Je pense que vous avez déjà toutes les informations sur le jeu. Hein. Voilà. Faut savoir aussi que Rockstar en fait a essayé de racheter. Le code source, enfin il a les codes sources du jeu pour 100 000 $ a priori, donc voilà. Et du coup, vous doutez bien qu'il possède les codes sources du jeu, donc ce qui peut être problématique. Voilà, donc réellement, il n'y a pas eu de. C'est. C'est compliqué. C'est compliqué de voir tout ça. Mais faites bien attention, les gars. Hein. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'était Bande de Losers pour vous servir. N'hésitez pas, prochainement, de nouvelles vidéos sur GTA. Comme vous avez pu voir, j'ai de nouveau un compte. Voilà. Donc, si vous avez d'autres informations que je n'ai pas pu vous communiquer ou que je ne sais pas, n'hésitez pas à me le communiquer via Discord, hein. Voilà, j'ai recréé un Discord, hein, donc il y a un libre d'accès pour tout le monde, pour qu'on puisse partager, échanger, et voilà. Hein. Sur ce, c'était Monsieur Bandouzer, je vous souhaite une bonne fin de journée, à la prochaine, ciao ciao.